Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Oui, je représente aujourd'hui l'ANET ce matin, dont le président est Philippe Sueur. Les adhérents de l'ANET ont été interpellés dans le week-end et ont fait un certain nombre de retours. Je ne reviendrai pas, Monsieur le Premier ministre, sur cette incompréhension de la fermeture de nos remontées mécaniques. Avec un protocole sanitaire qui était prêt, avec une demande d'ouverture qui était simplement à mi-décembre, où la pression de l'ensemble des hôpitaux sur notre territoire serait du coup le plus faible. C'est, du point de vue de l'ensemble des adhérents de l'ANET, vraiment une méconnaissance de notre terrain de montagne. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de revenir rapidement sur les aides. Il y aura les aides pour les professionnels, elles ont été largement. Je voudrais que sur les professionnels privés, on tienne compte quand même de cette complexité où vous allez avoir des gens qui normalement ne devraient pas être aidés parce qu'ils ne rentrent pas effectivement, parce que c'est des commerces qui sont ouverts. Si vous prenez une boulangerie d'une commune de station de 3000 habitants, le nombre d'habitants va passer à 20 000. Donc forcément, elle va perdre un chiffre d'affaires très important et c'est quasiment Noël 15 à 20% du chiffre d'affaires. Donc sur les aides, nous avons besoin de prendre en compte cette spécificité où pendant 15 jours, vous faites 20% de votre chiffre d'affaires de l'année. Vous avez signalé les 75 stations qui géraient, communes qui géraient aujourd'hui leur remontée mécanique en régie. Sur ma circonscription, j'ai plusieurs communes qui effectivement ont choisi de continuer de faire vivre leur station, elles le font en régie. Il faudra une aide spécifique sur ces aides en régie parce qu'elles vont être pénalisées directement et fortement sur leur budget 2021. Un, parce qu'elles ont embauché leurs saisonniers. Deux, parce qu'elles auront zéro recette pour Noël, Nouvel An. Le point sur lequel je voudrais insister le plus, Monsieur le Premier ministre, c'est essayons de voir cette clause de revoyure d'ici 15 jours et surtout donner une visibilité d'ouverture dès que possible. Nous avons besoin de connaître la date d'ouverture et on ne peut pas rester sur une date approximative de mi-janvier. Je ne reviendrai pas sur l'incompréhension de l'ouverture de la Suisse qui restera ouverte, de l'Autriche et bien sûr également de la partie Espagne. Voilà ce que voulaient faire remonter aujourd'hui les adhérents de l'ANET, Monsieur le Premier ministre. Très bien, oui, ce qui est d'ailleurs tout à fait conforme à ce qu'a dit la présidente tout à l'heure. Et j'ai bien conscience, hein, je le dis à vous, mais aux uns aux autres, qu'il serait évidemment souhaitable de vous donner le maximum de visibilité sur la couverture. C'est d'ailleurs ce que demande l'ensemble des acteurs économiques. C'est ce qu'a essayé de faire le président de la République en donnant les différentes étapes lors de son intervention, le 1er décembre qui en réalité est devenu le 28 novembre, le 15 décembre dont plusieurs d'entre vous ont parlé ce matin lors de leurs interventions, et puis le 20 janvier qui est d'ailleurs l'échéance la plus lointaine, hein, et qui, je vous le répète, a été fixée justement pour nous donner l'occasion de bien mesurer avec les temps d'incubation ce qu'aura donné la période des fêtes en termes d'éventuelle contamination virale, même si je saute précisément ici pour chercher à les limiter au maximum. Mais je comprends tout à fait et je vous assure que nous y emploierons au maximum votre demande de donner de la visibilité. Et j'allais dire, je le comprends aussi, que dans l'écosystème montagnard, chaque jour compte. Chaque jour compte. Je le comprends tout à fait. Monsieur le secrétaire d'État. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Deux points en réponse sur les commerces. Sujet bien pris en compte, Xavier. Et donc, nous allons travailler d'ailleurs à des dispositifs qui permettent de prendre en compte non seulement l'ensemble des commerces dans les stations, mais également dans un certain nombre de communes qui vivent, en fait, grâce à l'activité des stations dans la vallée. Donc, une appréciation territoriale des choses qui fasse rentrer, au-delà de l'aspect S1 et S1bis, un certain nombre de commerces. Et par ailleurs, deuxième point, sur les régies, effectivement, le dispositif ad hoc qui était annoncé pour les opérateurs de remontées mécaniques s'adressera tant
au secteur privé qu'Origie. Donc de ce point de vue-là, la réponse sera également apportée et qui bénéficie également de l'activité partielle, précise la ministre du Travail. Merci. Merci. Alors, je céderai volontiers la parole, s'il m'entend, au président du Conseil.